Chers habitants de la Narbonnaise, chers amis, fin novembre, pour les primaires de la droite et du centre, les Français, comme les Narbonnais, se sont levés en masse pour signifier avec force leur désir d'alternance. Dans nos villes et nos villages, un formidable élan populaire s'est mis en mouvement, une lame de fond que rien n'arrêtera, tant notre pays a besoin de changement. Partout, le peuple souffre. Partout, les injustices s'entassent. Partout, les craintes s'expriment. 5 ans de Hollande nous auront poussé au bord du gouffre. Pourtant, durant toutes ces années, je n'ai vu dans votre regard aucun renoncement, mais une colère juste pour réclamer des changements profonds. C'est tout le sens de ma candidature aux prochaines élections législatives. Je souhaite sortir la Narbonnaise de l'abandon dans lequel on l'a plongée, pour qu'aucun Narbonnais, pour qu'aucune de nos entreprises, pour qu'aucun de nos besoins, aucune de nos infrastructures ne soit méprisée par Paris. Je veux aider François Fillon à conduire le projet de redressement national qu'il porte pour notre pays, restaurer l'autorité, retrouver le plein emploi, maîtriser nos frontières, renforcer le pacte républicain. Nous, gens du Midi, nous sommes fiers. Nous ne nous résignons pas, nous ne croyons pas à la fatalité. Nous n'aimons pas que l'on nous dicte nos choix. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de choisir les convictions, le courage et la vérité. C'est un immense honneur d'être aujourd'hui votre candidat pour devenir demain votre député. Vous pouvez compter sur ma détermination totale, sur mon engagement sans faille. Vous le savez, notre Narbonnaise est belle, notre pays est grand. Électeur de la droite et du centre, Narbonnais de bon sens, je porterai haut nos couleurs, je porterai haut nos valeurs. Avec votre soutien, j'en suis certain, je réussirai pour que vive à nouveau la Narbonnaise d'abord et la France toujours.